Salut tout le monde, c'est Fouzi. On se retrouve aujourd'hui pour le 56e épisode de notre Carry Manager sur FIFA 21 avec le Milan AC. Donc aujourd'hui, on va terminer la période des transferts du mois d'août 2034 avec les deux premiers matchs de championnat de la saison. Dans la précédente vidéo, on avait remporté la Super Coupe d'Italie 5-1, la Super Coupe de l'UEFA 5-0. Donc on est plutôt très très bien lancé notre saison et on va terminer donc la période des transferts du mois d'août avec les nouvelles arrivées, les nouvelles recrues. On va commencer par Jérémy Shader, qui est en cours de négociation avec Liverpool, mais on va tenter de le recruter avant. Un jeune français, 25 ans, 87 de général, donc un très bon joueur qui pourrait venir renforcer notre équipe. 23 ans, 87. On va faire une offre à 100 millions d'euros pour ce joueur. Là, on a pas mal de budget de transfert, on va pouvoir se faire plaisir. Contre-proposition à 149 avec 5% de clause de revente. On va proposer 110 millions pour ce joueur. On va essayer de le faire monter un peu les enchères. Au maximum, on va monter à 125 millions d'euros pour essayer de recruter ce défenseur central. 23 ans, 87, contre-proposition à 138. Je pense que c'est leur offre la plus basse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 130 millions en espérant qu'ils acceptent. Et puis si ils nous refont une contre-proposition, on acceptera la leur. Ça y est, donc offre équitable, 130 millions d'euros pour ce joueur de 23 ans, 87, qui joue à Villarreal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le signer pour le sécuriser, bien sûr. Et avoir, on va dire, une doublette défensive qui tient la route avec le départ d'Avila qu'on a vendu dans la vidéo précédente. On n'avait plus qu'un seul défenseur remplaçant. C'était Van Kaam qui a quand même un très beau potentiel. Et du coup, on va recruter Jérémy Shader pour compléter notre effectif. On va lui proposer un rôle de rotation parce qu'effectivement, il jouera pas tous les matchs. Donc, il rentrera de temps en temps. L'offre est acceptée. On va pas mettre de clause de libération. De toute façon, on est en fin de carrière manager. Donc, même là, la durée du contrat, le joueur restera un an en tout cas avec nous. Et on va lui proposer un salaire à 80 000. Il a 54 actuellement et 200 000. Il veut beaucoup plus. Il veut 125 000, 1 million de primes à la signature. Mais bon, on va accepter les conditions pour sécuriser l'arrivée de ce joueur qui allait failli partir à Liverpool juste avant. Donc, on va faire notre première recrue de ce mercato. Ce jeune défenseur central, on va regarder un peu les statistiques. On a déjà Van Kaam qui est très intéressant, qui a 86 de général, et du coup on va voir Shader qui a 87 de général, 23 ans, donc 1m84, 77 kg, des stats très intéressantes en physique, en défense et en vitesse. Donc voilà, très beau joueur pour renforcer notre équipe. Le premier match de la saison en championnat, ce sera contre l'Atalanta, donc un premier match assez difficile. Généralement, on a du mal contre cette équipe, donc on va essayer d'aller chercher la victoire en mettant l'équipe type sur le terrain avec notamment une attaque de fou, Bernardi, Rossi et Alvarez, 95 de général en moyenne. Franchement, c'est la meilleure attaque du jeu, je pense, tout FIFA confondu. Enfin, franchement, 95 de moyenne, c'est quand même assez incroyable ce qu'on a réussi à faire dans cette carrière avec le Milan AC. En tout cas, il faut qu'on arrive à démarrer très fort par une victoire à domicile en Serie A pour prendre les 3 points dans ce premier match. 10e minute de jeu, la première occasion, Chabi Mangas qui va retrouver Bernardi, l'accélération de Bernardi, il est passé, il va revenir intérieur, la frappe pied gauche, et comme un symbole, c'est Bernardi qui va marquer le premier but de la saison en championnat, notre pépite du centre de formation que l'on a recruté dans la toute première vidéo de la Carrière Manager. On est déjà à l'épisode 56, et le joueur a désormais 94 de général, voire 95 de général même, donc franchement, assez incroyable, il ouvre le score. 12e minute de jeu, nouvelle occasion, l'Atalanta qui fait tourner le ballon, la passe en profondeur, le 1-2 sur le côté, ça joue bien, attention à Castillo, le retour défensif, il est passé quand même, le petit décalage sur Terzic, Terzic qui va réussir à se retourner, le petit décalage intérieur, la frappe et le but de Martins Bueno, 1-0, enfin 1 partout plutôt, égalisation de l'Atalanta dans ce match sur cette magnifique accélération. La frappe, Majer ne peut rien faire dans les cages, il est battu et égalisation de l'Atalanta quelques minutes après avoir marqué le premier but dans ce match. 33e, nouvelle action cette fois-ci pour le Milan, Bernardi qui va accélérer, il est passé en vitesse, Bernardi, peut-être Alvarez au second poteau, est-ce qu'il l'a vu, il va tenter un centre, c'est Obuzian qui revient et qui marque une frappe somptueuse, 2-1 pour le Milan, 35e minute de jeu. Grosse reprise de volée de la part du milieu de terrain, on va voir le ralenti de cette action, il était dans un angle un peu difficile, Rossi qui s'est effacé, qui a bloqué le défenseur pour laisser Bouzian mettre cette reprise de volée, poteau rentrant au niveau de la lucarne. Franchement, superbe reprise de volée de notre milieu de terrain qui relance notre équipe en tête dans ce match 35e de but 1. Les gros pressings sur cette
réduction de l'écart. C'est Bernardi qui récupère ce ballon qui va accélérer. Bernardi qui est passé le face-à-face avec le gardien. Il va tenter pied gauche et il va marquer le but du 3-1. 38e minute de jeu. 3-1 pour le Milan. C'est le doublé de Bernardi dès le premier match de la saison. Ça va faire du bien pour la confiance. La frappe croisée. Le gardien est battu. 3-1. On fait le break juste avant la fin de cette première période. 57e dans cette deuxième mi-temps, c'est les joueurs de l'Atalanta qui vont attaquer avec Carrascal qui va jouer sur Castillo. Le petit 1-2, ça revient sur Carrascal, c'est bien joué. L'accélération, la frappe de Carrascal et le but de l'Atalanta. 3 buts à 2 donc dans ce match, réduction de l'écart, il faut rester concentré. Et bonne récupération de Romera. Le tacle sur Carrascal, ça va être récupéré avec Bouziane Rossi. Rossi qui va temporiser, qui va réussir à dribbler. Xabi Mangas, la petite tonnade sur Bouziane. La roulette magnifique. L'accélération, il est passé. La frappe de Bouziane et le doublé. Lui aussi, il va mettre deux buts comme Bernardi. Et du coup, ça fait 4-2 dans ce match désormais à la 75e minute. Superbe action de la part du Milan. Et score final, donc victoire 4 buts à 2 pour ce premier match de championnat. Ça commence assez fort. Ensuite, on a une offre de prêt pour, de la part de Crystal Palace pour Brandt. On va rejeter cette offre de prêt. Et on a une offre de transfert de Fulham pour Marcano. Mais là, on va bloquer Marcano. Il n'est pas à vendre. On va le garder. C'est un joueur qu'on a sorti du centre de formation. Donc, on va le garder, bien sûr, pour cette dernière saison. Match suivant contre le Hellas Vérone, 13e du classement après une journée seulement. On va faire jouer l'équipe B, comme vous pouvez le voir. 4-3-3 offensif. On va faire jouer Conte, Linz et Giordano en attaque. Donc, une équipe B qui a plus de 90 de général en attaque. C'est déjà très bien. Branco, Gallardo, Jara, milieu de terrain. Kelly, Shader, Van Cam en défense avec Rivas et Benatelli dans les cages 93. Donc là, l'équipe B, quand même sur le papier, elle reste très intéressante, même s'il nous manquerait peut-être un milieu de terrain pour remplacer Gallardo, qui est un petit peu juste en termes de niveau. Par contre, en attaque, Conte, Linz et Giordano, ça va faire très très mal dans ce match contre le AS Vérone. Première occasion. 20e minute de jeu, c'est Walter, l'ancien joueur du Milan AC que l'on avait vendu au Hellas Vérone, qui dribble parfaitement sur le côté, la petite passe en retrait, la frappe et l'ouverture du score de Marmol pour le Hellas Vérone. 1-0 après une vingtaine de minutes de jeu dans ce match sur une superbe action de Walter, l'attaquant, la petite passe en retrait et c'est Benatelli qui ne peut rien faire sur cette frappe, ça fait 1-0 pour le Hellas Vérone. 33e minute de jeu, peut-être une occasion de revenir avec Jara qui va retrouver Linz, l'accélération de Linz, il a vu l'appel de balle de Branco, la passe est parfaite, l'accélération de notre milieu offensif central, la frappe pied gauche magnifique, égalisation, 35e minute de jeu, le but de Branco, le milieu offensif brésilien de notre équipe que l'on a recruté, pareil du centre de formation, la frappe pied gauche, le gardien ne peut absolument rien faire sur cette occasion et donc égalisation à la 35e minute, un partout. 60e dans cette deuxième période, une action avec Ferraro qui va retrouver Linz en profondeur, c'est bien joué pour Zielinski, l'accélération de Zielinski, il est passé, il va revenir sur son pied droit, magnifique but de notre jeune milieu offensif central Zielinski, une belle pépite de 18 ans, il a 72 de général, un joueur très intéressant, on va revoir la vivacité, la finition parfaite, le ballon finit dans la lucarne et donc ça nous permet de mener 2 buts à 1 à l'heure de jeu dans ce match. 84e, c'est Kelly qui va accélérer sur le côté. Il a vu l'appel de balle d'Enrico Conti. L'accélération d'Enrico Conti, la passe sur Linz. Le contrôle, il est passé. La frappe, non, il va décaler Giordano pour lui offrir le troisième but dans ce match. Superbe passe décisive de la part de notre attaquant qui vient tuer cette rencontre. On a fait le break. L'accélération, là, il aurait pu tirer, mais il décale son coéquipier. Beaucoup d'altruisme sur cette action. La finition parfaite de Giordano. 3-1 après 86 minutes dans ce match. Et ce sera le score final. Les stats ont été plutôt en notre faveur, donc on s'impose logiquement et Guy Herbelin s'est élu homme du match. Au niveau du mercato, on a une offre de transfert pour Lucas Thompson, notre jeune gardien de 19 ans, 75, on va accepter la proposition. Et on a une offre pour Gallardo, pareil, on va le laisser partir à 20 ans, 71, pour 3 millions d'euros. On va laisser donc partir deux joueurs. Sur cette fin de mercato, 7 heures avant la fin, on a une offre pour Bigot. C'est le Real Madrid qui nous propose Gros Siscar qui a marqué à de nombreuses reprises en finale de Ligue des Champions contre nous et 64 millions. Mais on va rejeter bien sûr la proposition pour ce défenseur central. Ensuite, on a une offre de transfert pour Maurizio Ferraro, 19 ans, 69 pour 4 millions d'euros pratiquement. Donc un joueur intéressant de 19 ans, donc milieu de terrain italien. On va accepter cette proposition de la part de Guimaraes et du coup, on va rejeter l'offre de prêt pour Brandt de la part de l'Ajax. Et du coup, sur ce dernier mercato, on aura fait 147 millions de bénéfices avec
seulement Shader en recrue, 130 millions. Le Napoli a fait pas mal de bénéfices aussi, c'est un dernier mercato sur le mois d'août à 850 millions d'euros. La Roma qui a recruté 3 nouveaux joueurs, qui a laissé partir un joueur, 2 recrues pour la Sampdoria, 3 recrues pour Sassuolo, la Spezia qui s'est bien renforcée avec 5 arrivées, 3 départs. Le Torino s'est un petit peu affaibli. L'Udinese qui a recruté 4 joueurs supplémentaires, là aussi se sont bien renforcés. Du côté de l'Atalanta, c'est un petit mercato. Côté Benevento, 4 nouvelles recrues, dont notre gardien Thompson. Pologne a fait 3 acquisitions, a vendu 2 joueurs. Cagliari a fait plusieurs acquisitions pour 52 millions d'euros de dépenses dans ce budget de transfert. Crotone s'est renforcé. La Fiorentina s'est renforcée également. Ils ont vendu Diomandé. Le Genoa a fait un petit mercato. Le Las Vérone s'est un petit peu affaibli. L'Inter a recruté 2 joueurs, dont Plata, pour 105 millions d'euros. La Lazio, pareil, 120 millions de dépenses pour 4 joueurs, dont Gilles et Moreno. Et du coup, de notre côté, un mercato équilibré avec une recrue, pas mal de départs, mais en termes de finances, on est toujours à l'équilibre grâce à nos bénéfices. Du coup, c'est la fin de ce mois d'août 2034. On a donc 850 millions de dépenses sur la dernière journée des transferts. Au niveau du centre de formation, on a pas mal de joueurs actuellement. On a Godin dans les cages, 80-90 de potentiel. On a Schinkel, 87-93. On a Valente, 82-94 de potentiel. Le Long, grosse pépite, 18 ans, 67, 92-94 de potentiel. On va le promouvoir en équipe A, parce qu'on va le tester, bien sûr, sur cette dernière saison. On a Messina, on a Munoz aussi, qui a un beau potentiel. On va essayer de le repositionner. C'est un nouveau joueur qui vient de rentrer dans le centre de formation en meneur de jeu avancé. Un joueur qui a un potentiel à confirmer. On a Branco aussi. D'ailleurs, il a coup franc puissant, Munoz, qui est un très très bon, une très très bonne caractéristique. Donc ça montre que c'est vraiment un milieu offensif. Franco, 16 ans, 70, avec un gros potentiel. Pareil pour Duhamel, 67, Marshall, 67. Et on a Rios, pareil, avec un gros potentiel. Donc des joueurs très intéressants pour la suite. Au niveau du classement, pour l'instant, on est deuxième derrière l'Inter de Milan. Ça se joue pas à grand-chose, mais... Bon, il y a quand même la Roma qui est troisième. On a 6 points, Bologne 6 points, Sassuolo 6 points. On n'a fait que 2 matchs, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ce premier classement. Si ce n'est que l'Inter n'a pas pris un seul but en 2 matchs. 5 buts marqués, 0 encaissés. Nous, on a marqué 7 buts, mais on en a pris 3 sur les 2 premiers matchs. Donc il faut qu'on se calme un peu défensivement, il va falloir qu'on sécurise un peu plus. C'est vrai qu'on a plutôt une équipe qui joue très offensive. Après, au niveau des autres équipes qui ont mal démarré le championnat, la Juve a mal démarré avec 2 défaites sur ses 2 premiers matchs. Pareil pour le Torino, pareil pour la Sampdoria aussi, qui est dernière du classement, à la différence de but. Au niveau du classement des buteurs, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour aller un peu plus loin là-dessus. Si on regarde l'effectif post-mercato, ça va être intéressant. En attaque, on a Bernardi, Rossi et Alvarez, donc 4 joueurs très intéressants, dont effectivement Rossi qui a 97, Alvarez à 94. Au milieu offensif, on a Xabi Mangas, 87 de général, 21 ans, très très belle pépite. Ferraro, 92, qui est blessé pour l'instant, mais qui va revenir. Bouziane, 93. On a Parisis en ailier droit, 96. Fior et Bigot dans l'axe, 93 pour Fior, 94 pour Bigot de général. Romero, 91 côté gauche. Et Madjer, 94 dans les cages. Donc une très très belle équipe sur le papier. En remplaçant de très gros joueurs aussi avec Linz, 90, Giordano, 91, Branco, 83. Pareil pour Jara. On a Kelly qui a 85, on a Van Cam qui a 86, on a Benatelli 93 en gardien remplaçant, et ensuite en réserviste, on a Brandt qui a 70, Shader qui a 87, Rivas 76, on a Ferraro, Orlando, Tavares, Duarte, Valentino. Donc ça, c'est des jeunes joueurs qu'on n'a pas réussi à vendre pour l'instant, qui ont perdu du potentiel. On a Zielinski, très belle pépite, peut devenir spécial. On a Rizzi, Fischer. On a Cardozo, 87, qui a été très bon aussi. Conti, 89, Conte, 91. Valente, qui est en train de perdre un peu son potentiel. Et Bianco, avec du coup Marcano, 91. Et Le Long, notre nouvelle pépite, qui est lui aussi très très intéressant. Voilà, Le Long, 67 de général. Un joueur à surveiller qui a peu devenir spécial, bien sûr. Donc voilà pour cette fin de mercato. Au niveau du budget de transfert, il nous restera 1,2 milliard pour le prochain mercato. Donc on a encore pas mal de finances. Et dans la prochaine vidéo, on jouera le mois de septembre 2034 avec un premier match de championnat à domicile contre Cagliari. Ensuite, on attaquera la Ligue des Champions, la phase de poule, avec un premier match contre le Red Bull Salzbourg
à l'extérieur, donc un premier match important à bien négocier. Ensuite, on jouera à l'extérieur contre le Napoli en championnat, puis contre Benevento à domicile. On aura la Roma à domicile en championnat et on terminera par match à domicile en Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen. Donc, c'est la fin de cet épisode. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Salut tout le monde!